les amis, bienvenue sur un jeu avec une très très belle exclusivité que j'ai là, Wild Hearts. J'espère bien le prononcer. C'est un jeu prévu pour, écoutez bien, le 17 février 2023, voilà, là on y arrive. C'est du EA en partenariat avec Omega Force, hein, le studio qui dev. Là, vous allez me dire, qu'est-ce que Wild Hearts? Et je pense que certains l'auront deviné. C'est un peu un Monster Hunter-like. C'est un jeu de chasse, tout simplement, unique, qui apparemment va revisiter le genre, dans laquelle la technologie permet d'aider à combattre des vilaines créatures, vous l'aurez compris. Et on pourra jouer en solo et en coop. Les amis, il est temps de découvrir ce jeu en gigantesque avant-première de 5 mois. C'est pas rien. Nous sommes sur PC. N'hésitez pas à mettre cette vidéo en 2K 60 FPS. Et j'ai un stuff déjà offert, entre guillemets. Je ne sais pas à quel moment on est dans le jeu. Vous l'aurez compris, le jeu est prévu pour le 17 février 2023. Donc là, 5 mois avant, c'est une sacrée exclue. Alors vous verrez sûrement des bugs, des anomalies graphiques, des artefacts comme on dit, mais c'est normal, rien de plus normal. On va cependant découvrir tout simplement ce que le jeu nous réserve, hein, Donc c'est parti les amis. Ok, carré, ça dégaine. Oh, c'est des gros coups que je donne. Ok, très bien. Dodge, B, très bien. Saut, A, pas de souci. Si je fais ça... Ok, c'est bien, c'est compris. Si je fais ça, qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est très stylé. Et ça a l'air de consommer une jauge d'endurance. Ça, c'est très, très, très stylé. Si je fais ça, c'est pour ranger l'arme. Pas de souci là-dessus. Si je fais ça, c'est pour me baisser. Je suppose la discrétion pendant les phases... tout simplement, les phases de chasse. Si je fais... Ça, c'est un coup à l'horizontale. Très bien. Donc, coup vertical, horizontal avec une petite charge et dodge et jump. Superbe. Bah, écoutez, c'est mémorisé. On va suivre cette petite bête devant nous. Je ne sais pas exactement ce que c'est. On ne peut pas sprinter l'arme à la main. Il la range automatiquement. Donc, on va suivre tout cela. Alors, encore une fois, les amis, c'est une exclusivité assez folle. D'ailleurs, je remercie beaucoup EA de m'avoir offert cette opportunité. Donc, nous sommes en plus de cela sur PC. Voilà, ne faites pas gaffe à tous les artefacts que vous pouvez voir, le clipping et tout. On n'est même pas sur une alpha. Je crois qu'on va... On n'est que 3 en France à avoir cette chance-là. Très bien. Oh my god. On n'est que 3 à avoir cette chance-là. Très bien. Très bien. Désolé pour le côté... What? Ok, on peut combiner les coups. Très bien. Désolé pour, là, par exemple, hein, le freeze qu'il y a eu quand j'ai mis les premiers coups. Même si le jeu continuait, l'animation continuait. C'est le genre de truc qui arrive. Par contre, attention comment ranger son arme... est un véritable bonheur. D'accord, on peut grimper les falaises en appuyant sur RB et A. Très bien. En vrai, vous savez quoi, on va se le faire quand même, on va essayer. Donc, je rappelle que c'est littéralement un hunting-like, je ne sais pas exactement. Bref, vous l'aurez compris. Je suis mort. Un jeu de chasse. Donc, comme tous les jeux de chasse, vous en connaissez un en particulier. Je ne sais pas vraiment s'il a de concurrent. Pour le coup, c'est Monster Hunter, je vous en ai déjà parlé. Et ce genre de jeu, ça joue en coop, hein, de préférence. Ça joue avec des potes pour toujours chasser la plus grosse bête, évidemment. Là, on est tout seul. Voilà, on est tout seul parce que, comme je vous ai dit, en France, on n'est que 3 à avoir cette opportunité. Le côté online coop n'a même pas été intégré au jeu. Donc, rien de plus normal à ce niveau-là. Et on va essayer. Ok, superbe. Superbe, superbe, superbe. On va monter. Il y a une sorte d'effet de flou un petit peu. Mais j'ose pas trop toucher les réglages. Parce que le jeu est quand même assez instable. Encore une fois, c'est tout à fait normal. Et donc, je préfère me dire, on va enregistrer comme ça. C'est pas bien grave. Mais graphiquement parlant, ça ne représente pas, évidemment,
le jeu que vous aurez. Hein. Encore une fois, il sort, il est prévu dans 6 mois. Très très bien. Ah, on a un radar qui vient de s'afficher un petit peu plus haut, superbe. Comment je fais pour... comment je suis censé rentrer là-dedans? Comme ça, tout simplement. Eh ben, on va ramasser ceci, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas du tout, sûrement des plantes. Ça ressemble à un cube, un casse-tête peut-être, je ne sais pas. Mais quelque chose me dit que je dois aller sur ma droite. Ok, j'ai hâte de voir à quoi va ressembler le big monstre qui nous attend. Eh ben, on l'a la source de la musique. Qu'est-ce que tu fais là, jeune aventurier? C'est mon campement, c'est pas ta place ici. Il n'y a pas assez de place pour nous deux petits. Onushi, mon nom. Karela ni hito ga yabure satta chi. Sore ga kono Azuma no kuni ja. Sumau tami wa hirogaru kemono no nawabari wo osore. Et pour le coup, là, nous sommes sur le continent de Kemono, d'accord? Une bête que peu d'humains ont survécu. Et on va essayer de voir un petit peu, bah, avoir plus de renseignements. Et nous sommes, en tant que chasseurs, responsables. Nous allons essayer de le retrouver et de lui faire sa fête. Ok, c'était littéralement le tuto qui nous permet de créer... Maintenant, notre personnage, peu importe, j'ai envie de vous dire, je sais même pas si c'est programmé, parce que on n'a pas l'air d'avoir de voix. Oh, stylé. Ok, on va s'occuper de ces petites bébêtes. Hop, ça, c'est fait. Merci, au revoir. Très bien, ça. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Très bien, ça. Wouah, wouah, toi, on peut taper avec les tuyaux. C'est tellement stylé. Incroyable. D'accord. Tant qu'on n'a pas rengainé l'arme, on ne peut pas récolter... En achevant nos ennemis, ce qu'ils ont sur eux, très très bon à savoir. Ok, c'est incroyable les coups qu'on peut faire par contre, en vrai de vrai. Superbe. Oh là 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 là. Ça, ça me plaît. Voilà, ça, ça me plaît, ça, j'aime bien. J'aime bien. Allez, Kemono, j'arrive. Hop, voilà, superbe. Comme vous pouvez le voir, je ne le suis pas. Oh la vache. Ok. Oh là là, c'est tellement stylé par contre. Voilà, c'est un carnage, hein, les gars. Ça, c'est du pipa de chat. Hein. Pipi de chat, pardon, excusez-moi du peu. Très bien, c'est finito. Mais pourquoi je les tue, en fait? Je suis juste un monstre. Attendez. Non, mais en fait, je suis juste un monstre. J'avais pas besoin de tout ça. Stoppons le massacre. Stoppons le massacre, mais je suis désolé. Ah, non, mais vous allez croire que je suis... Attendez, ils m'ont... En fait, quand j'y pense avec un peu de recul, je me dis qu'ils m'ont pas fait de mal. Juste, ils couraient, ils étaient peut-être effrayés, je ne sais pas. Parce qu'il a l'air quand même assez balèze, hein, pour être honnête avec vous. Hein. Il a l'air assez balèze. Hein. Est-ce qu'il y a un monde? Ok. Donc, l'esquive, le dodge, consomme de la jauge. C'est toi, Kemono? Je rappelle, chasser... Le Kemono qui est responsable de la tempête de neige. Donc je crois que c'est lui. Hein. Je crois que c'est lui. Hmm. Oh, ok, on peut faire des grands dodges. Très bien. What? Cha-cha-cha-cha! Ok. Ok,
Wouah, trop stylé par contre. On va attendre un petit peu. Wouah, j'étais pas prêt. Ok, ok, ça c'est stylé. Ça c'est stylé, moi je suis pas habitué des jeux de chasse. Mais ça c'est stylé frère. Oh la vache. J'essaye d'esquive. Je vous assure que j'ai essayé Elden Ring et les Dark Souls. Ok. Ok. Oh, mon seul point faible. Ah. Oh non, j'ai appuyé. Je suis mort. Ah non, j'ai réussi. Ok. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, j'ai été laissé pour mort à l'abandon. J'ai des cristaux de glace qui me traversent le corps. Cette histoire me glace le sang. Ok. Alors c'est quoi? Ça sera un monstre ça à chasser? Sinon on est mort hein. Va falloir sacrément reculer la caméra les gars hein. Ok. Donc cette fois-ci on a les HP. On doit trouver donc Minato. Ok. Bon de toute façon il n'y a même pas de mode online. Donc je sais même pas pourquoi il m'a dit ça. Je peux me heal flèche du haut. Super. Donc c'était vraiment qu'un tuto en fait hein, juste avant hein. C'était vraiment qu'un tuto. J'ai bien aimé cette petite mise en bouche. Je sais pas pour vous. J'ai bien aimé cette petite mise en bouche. Ok, je pense, si j'ai bien compris, j'ai fait pop, c'est ça? Ah, vous avez vu ce qui est apparu? Une sorte de menu. J'ai fait pop des plateformes, très bien. Je n'ai pas assez de, comment ils appellent ça? De Karakuri. Ok. En restant appuyé, on a la vision du chasseur. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Yes! Ok, calmons-nous. Il n'y avait donc rien à faire. Par contre... Ok. Ok. C'était donc du craft. Wow. Wow. Il se passe trop de choses, là. Il se passe trop de choses. Attendez, parce que là, je me fourvoie la vision du chasseur. Très bien. D'accord. Pas mal. Très stylé, j'aime bien. J'aime bien. Superbe. Je suis déjà habitué. Ok, superbe.
Waouh. Regardez la petite vidéo à gauche. Waouh. Non, ça c'est trop bien. Ok. Aïe, ok, ça fait mal. Voilà, ça c'est du haché menu, mon petit pote. Ça, oh là 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 là, non, ça c'est du cassage de gueule, j'aime bien. J'aime bien tout ce qu'on voit là. Hein. Ok, j'aime bien tout ce qu'on voit là, hein. Je m'attendais pas du tout à ça. Hein. Ok, j'ai pas eu le temps de lire le nom du village. Mais nous sommes arrivés à Haru. Haru. Oh, que faites-vous là, monsieur? Ah, tcha! Alors, impressionné ou pas? C'est normal, je suis un putain de chasseur, mon pote. Et toi, t'es un mec en train de crever. Ah, tiens, allez. C'est vraiment parce que tu me fais de la peine. Hop, je l'ai laissé crever, rien à péter. C'est que c'était pas intéressant ce qu'il me racontait. Ok, je peux faire un... Ah ouais, d'accord, ok. Ok, je vois le truc. Ok, n'en dites pas plus. N'en dites pas plus. Tiens, tu veux un petit feu de camp? Non, je peux pas. Ok, je peux pas. Ah, par contre, si je prends ça, peut-être, sur un malentendu. Il y a un monde où ce malentendu existe? Je ne sais pas. Débloquer le puits du dragon. Ok, le dragon... Karakuri! Ah merde. Oh la vache. Ok, d'accord. D'accord. Je vais peut-être pas vous tuer, hein. Vous allez... Vous avez pas... Oh, on dirait dans Kena. Vous avez pas l'air d'être bien méchant, vous, hein. Hein, les bibiches. Hein, vous êtes pas méchant, vous. Ah, j'ai été poussé. Alors, j'ai bien compris pour le puits, mais alors... Les gars, où est le puits? Est-ce que vous avez vu un puits, vous? Hop, ça en prend un à péter. Est-ce que vous avez vu un puits? Ouah, d'accord, ok, j'ai compris, on peut faire ça en courant, c'est trop stylé. Regardez, vous êtes prêts? Let's go. Oh là 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 là! Ok, vous êtes prêts? Regardez. Voilà, tu vas faire quoi, toi? Tu vas juste fermer ta gueule. Vraiment, vraiment stylé. Ok, on sait se passer. Oh putain, attendez, excusez-moi du peu, mais regardez là-haut. On retourne exactement de là où on vient pour essayer d'activer le puits. Et puis, on va pouvoir faire notre feu de camp et notre tente. Et je pense que ça sera une très bonne chose de faite, évidemment. Et le puits est censé être quelque part par ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait un bas ici. Tiens, ça, je prends. Où est le puits? Il est censé être quelque part par là, c'est-à-dire que je suis passé devant. Il y a un moment dans ma putain de vie, je suis passé devant le puits. Oh, petit filou tube. Il est dedans. À côté de la personne en train d'agoniser depuis tout à l'heure. Oh, mais qu'est-ce que je suis con, putain. Oh, c'est terrible. Non, mais c'est terrible, c'est terrible. Allez. Superbe. Superbe! Et ben voilà! Et maintenant. Ah ouais, j'ai déconné. Bah ouais, mais c'est pour ça que t'as failli mourir, bordel de merde. Voilà, une petite tente. Oh, c'est terrible, c'est terrible. Voilà, il fallait que je le fasse ici. Let's go! Allez! Et ben voilà! Laissez la femme rester, ben ouais. Allez, va dans la tente, bibiche. Ah! Oh putain! Oh, elle va mourir là. Oh la vache, je ne sais même pas où je suis. Viens ici, toi! Oh, ramène-toi là! Ok. Il faut que je le chasse. Il faut que je le chasse. Ok, mon pote.
T'es à moi, toi. Ok, mon gars. Rashtail. Oh là là. Oh, mais c'est trop stylé. J'ai réussi à le faire. Ok. Mon seul point faible. Une petite bouteille d'eau. Wouh. Ok. Oh là là, je suis beaucoup trop chaud. Je suis beaucoup trop chaud. J'espère que vous êtes fiers de moi, bordel. Tout ce qu'on a accompli. Et maintenant, utilisez. Voilà, mon gars. Ok. Pas content, pas content. Pas content, mais je peux comprendre, frère. Ok. Pardon, tu vas où? Ok. Pardon. Viens par ici, bibiche. Viens par ici, bibiche. Toi, tu m'auras pas comme ça, mon petit gars. Pas après tout ce que t'as fait, pas après tout ce que j'ai fait, je te le dis. Je vais m'en occuper, vous inquiétez pas. Et on va pouvoir s'arrêter là. Il est en train de faire tomber un arbre, ce con. Oh, la déforestation! Complètement malade! Viens par ici! Viens par ici! Oh, qu'est-ce que c'est? C'est énorme! Bien joué, bien joué, bien joué. Bah, fallait qu'il me la mette, fallait qu'il me la mette. Ok. Oh, il s'en va vite, hein. Je me trompe toujours de gâchette, c'est terrible, excusez-moi. Ok, bien, wesh. Je suis mis d'HP, on va boire. On va se ressourcer, chacal. Oh là là, ça me plaît. Ça me plaît très très fort. Oh non, Miskin. Miskin, il souffre. On va devoir l'achever. Viens par ici, toi. J'ai dit, on va devoir t'achever. Qu'il fait complètement timbré, toi. Quoi? Ok. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sait plus ce qu'il fait. Désolé, monsieur. Oh, le merdier! Oh, le merdier! Ok. Allez. Ok, on y retourne. C'est pas fini. C'est pas fini, mon petit pote. Pardon? Ça change la physionomie du match, là. Chérie! Ok.
Oh là 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 là. Ok, maté. Mort. Et ben voilà. Allez, coup final. Gomé. Ah oui, c'était vraiment toujours dans le respect. Toujours, on l'a découpé, mais dans le respect, sachez-le. Toujours. Eh bien, écoutez, les amis, c'était une très belle découverte de Wild Earth. Vous l'aurez compris. Ça, c'est pour faire quoi, ça? Oh! Je peux me faire des tremplins. Mais non, mais c'est trop. Regardez. C'est fou tout ce qu'on peut faire. Retourner au camp depuis la map, ça c'est faisable et ça c'est beau. Les amis, il est temps de s'arrêter là. J'espère que cette aventure vous a plu. Excusez-moi du peu, je ne sais pas ce que je fais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Oh là là, mais il se passe trop de choses. Il se passe trop de choses, c'est en dehors de mes compétences. Allez, je vous fais des bisous. J'espère que la découverte de ce Wild Earth vous a plu. Encore une fois, c'est une build. On est très très peu à avoir eu la chance et l'occasion de tester le jeu. Moi, j'ai bien kiffé ma petite aventure. J'ai bien kiffé ma petite chasse. J'espère vous avoir fait découvrir un jeu et que peut-être vous l'attendez. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais de gros bisous. Merci encore, IE, de m'avoir laissé cette opportunité. Portez-vous bien. Bisous tout le monde. À bientôt. Bye bye.